En avant, Ursus! Matago! En avant, Ursus! Allez, allez, allez! J'ai le bout des doigts congelé. Oh, ça va. Oh. T'es bien une touriste, toi. Oh! Qu'est-ce qu'il y a, Ursus? Tu m'expliquais ça? Il s'essouffle un peu. Oh là! Ah, tu vois, Nanou qui est drôle. Elle fait plein de conneries dans la neige. Ça va les doigts? Ah, je les sens plus! Ah ouais? Ah, le bout, mais là, je les sens. Ouais, ben recroqueville les doigts. Recroqueville. Tu fais ça? Ouais, bouge-les. Mais comme ils sont un peu trop petits. Non, mais je ne prêterai pas les miens. Hein. Non. C'est bon. T'es sûr? Oui, ça va. Oh, ça chauffe. Ursus, t'es-tu prête? Ok. Ok. Allez, Matago. En avant! Matago, allez! Allez, nous! Oula, oula, oula! Yep! Yep! Allez, ma Ursus! En avant! Oh, une perdrix! Là, t'as vu le grec? Ah oui! Non! En avant, Ursus! Bon, il fier, Ursus. Il y a quoi là, la WC d'ici? Ça, c'est pour mettre les enfants tannants. Tannants, c'est. C'est ceux qui sont pas gentils. Ça les dedans? Non. T'es sûr? Oui. Sûr. Ok, à la bas. Et Ursus, dans le chemin. À la bas. Matago, position. Ok. Ursus, ok. En avant, Ursus! Oula. L'autre avant! Oula. C'est ça, bon chien! On reste tendu la ligne! Ça va? T'as ouais. Froid? Ah, ouais. Allez, remets tes titres. Fais l'hélicoptère comme ça. Comme ça? Ouais. Plus fort. Tu fouettes dans l'air les deux mains. Ah, oui. Là, tu vas avoir trop. Eh, Léa, décolle pas! Décolle pas! Ah, la vache, je te le fais trop bien.
Oh, là, elle nage. C'est bon. Ça a réchauffé? Oui. Bon. Tu veux qu'on aille sur le lac aux abeilles? T'es pas allergique aux abeilles? Non. Parce que c'est des abeilles des neiges, elles sont grosses comme ça. C'est comme un point, des fois, ils sortent. Donc là, il faut les taper. Yeah. Mais rigole pas, Titi. Hein. Moi, je reste calfeutré là. C'est ça, lui, il peut se cacher dans son sac, là. Nous autres, on se fait attaquer par les abeilles des neiges. Ouais. On va aller au lac des abeilles, Titi. On va déglacer nos patins. On va mettre le tapis pour ralentir. Fait que je vais t'expliquer comment ça va se passer. Oui. Les chiens vont partir, ça va tourner comme ça, ça va descendre, puis on va pogner des jumps. Des bosses, on va sauter. Ah oui, ok. Des jumps. Eh Léa, mais tu. Non, mais tu parles anglais un petit peu. Bah, tu fais des efforts. Jump. Tu parles pas français, hein? Non, si. C'est quelle langue que vous parlez? Hein? Les Français. Les Français de France. Vous venez de quel coin? De Vendée. Vendée, je ne sais pas si où. Bah, c'est en dessous de l'Angleterre. Proche de la Normandie? Ouais, c'est ça. En dessous. On est parti. Position! Wow! G! Ok, une caravane. Il était pas là hier. Non? Ben oui. Oula! Qu'est-ce qu'il y a? Toute la neige! Ben ouais. En avant! Encore froid aux mains? Ouais, ça repart vite. T'es une citadine? En plus d'être une citadine française, t'es une fille, là, t'es sur. Oh là là. Les filles ont tout le temps froid. Ouais. Yup! On pognait les bosses. Ah, oui? Ouais, ben ça. Oh. Ils savent. Oh. En avant! Ah. T'es prête? Oh! Oh. Ah. Oh. Matago, en avant! Pas vrai, je vais mettre Sioux, là! Même pas un chien de traîneau, ça! Allez, Matago! Hey, ma Lulu! G! G, Ursus! Bonne fille! G! Allez, Matago! Bon chien, Matago! En avant, Matago! Matago, c'est non! C'est beau, Ursus, t'es dedans, là, toi! T'es toute heureuse! C'est tes copilotes qui vont pas bien un matin! En avant, Matago! Quoi ça, Matago? Prends une pause sur le lac aux abeilles. Se faire attaquer. Ok. Allez. Ok. Ok, les chiens. Nanook, en avant. Sioux, en avant. Prête? Oui. Bah là, ils font n'importe quoi, mes chiens. Oula. Léa, conduis droit. Ah! Allez, Ursus! Allez, Matago! Oh, la neige! Qu'est-ce qu'il y a? Hein? C'est bien une fille de la ville, ça. Oui, hein? Oui, je sais. T'aimes mieux le shopping que la forêt? Les shopping. Ah non, j'aime bien la forêt. Ça, on va aller faire mon shopping dans la forêt. Ok, on sort de là. On va aller faire le lac aux abeilles. Parfait. T'es pas allergique, hein? Non. C'est des gros jours d'or. En avant, Ursus. Avant.
bonne fille. Ça, c'est les lacs que vous avez. En avant, en avant, en avant. Là, tu restes sur le traîneau. Reste sur le traîneau. Oh! On a failli aller faire un tour dans l'eau. C'est un lac, ça, d'habitude? Non, c'est un petit marais. Ah, okay. Un petit marais. Regarde toutes les quenouilles. C'est ça, les abeilles. Ah, ok. Ça s'appelle les quenouilles? Ouais. Ah! Les jettes roseaux. Les quenouilles. Ah oui. Les quenouilles. C'est rigolo. C'est comme ça que j'appelle ma fille, moi, ma quenouille. Quenouille. La quenouille. Bah oui. Ma petite quenouille. C'est exactement ça. On va te montrer des trucs qu'on peut faire avec les quenouilles. Ah bon? Ouais, on va aller en chercher en passant. T'es prête? Oui. Ouais, chercher des quenouilles. Oh, gars, ils se roulent dans la neige, on va les laisser se rouler. Ils sont bien, les chiens. Oh, Nanook a trouvé quoi? Elle a trouvé quelque chose? Ouais, juste drôle, elle creuse tout le temps des trous sur la tête. C'est une taupe? Ouais, c'est ça, ouais. Ça ou une... Ou un ver de terre. Ouais. Ou dès qu'elle a peur, elle se met la tête dans la neige. Ou une autruche, alors. Ouais. Et on me voit plus! Si je les vois pas, ils me voient pas. T'es prête? Oui. OK. En avant. Allez, Matago. C'est joli. Ouais, hein? Il y a plein d'endroits cachés de même. Mais personne n'a marché sur la neige, c'est ça qui est beau. Dedans. Non, faut que tu restes dans les sentiers ici. Si tu sors des sentiers, tu risques de tomber dans l'eau. Dans l'eau, ouais. Ah. C'est comme là, il n'y a pas de danger, on est haut. Il n'y a pas d'eau, là. On tombe dedans, tu vas le voir. Donc, on lâche. Là, là. Il y a des roches. Fait que la glace est un petit peu plus faible. En avant. Tu vas prendre deux canoës? Mmh. On va casser deux canoës à la base. À la base. À la base, à la base. Le plus bas possible. Pas si bas que ça. Tu vas... Attends. À peu près 30 cm là, du pompon. 30 cm, t'es dit? 30? Voilà, t'es carrément à 1 mètre, hein, je te fais gaffe. Du pompon? Du pompon, le pompon, c'est là-haut. Le pompon, c'est les pompons, oui, là. Ouais, 30 cm, tu fais. Ouais. Bah, et patate, 30 cm du pompon. Ah, Steve! Ah, ok! Ah, Steve! Ça, on va les amener. Je vais te montrer qu'est-ce qu'on peut faire avec. On va aller en prendre un autre. Celui-là, on va faire attention de ne pas y perdre. On va casser l'autre, comme je t'ai montré. 30 cm. T'as 31. 30. Oh, la vache! Oh, la vache, Steve! Reste avec nous! Oh, la vache! Oh, la vache! Voilà! Ça va? Yeah. Ah, t'aurais pu me le donner, lui. On va en prendre un autre. Pas grave. Yeah. Ah, on va le garder. Comme ça, vous allez pouvoir essayer. Ouais. OK, on avance ça un peu. Oh! Tiens, il y en a l'autre, là. Prends-en un. N'importe quel. Titi! Qu'est-ce que tu fais? Au secours! C'est l'aventure! Oh non, je reste ici, hein! Oh, Dieu! Ah, oh, j'ai eu trouille, là! Regarde. C'est pour ça qu'on appelle ça le lac aux abeilles. Oui. Avec ça, regarde, ça fait des grosses abeilles. Ah! Oh, ok, regarde. Ça, c'est du pollen. Ah bon? Ah ouais. Je vais te montrer ce qu'on peut faire avec ça. Dans la forêt. Oui. Tout à l'heure, avant de manger. Puis les quenouilles, là, si on prend la racine, on peut la faire sécher puis on va faire du pain avec. On peut la faire bouillir, puis ça vient comme du spaghetti. OK, Ursus, on y va. OK!